Racontez-nous tout ce qui s'est passé, votre unique point de vue. Et je me permets de vous rappeler qu'un maximum d'informations pourra vous sauver. D'abord, je veux que vous sachiez, que vous sachiez tous, que je jure devant Dieu, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai pas fait ces choses horribles aux gamins. Je le jure, ce n'est pas moi. Je le jure. Laissez, Monsieur Crowley. Nous jugerons après de votre innocence. D'accord. Ça a commencé sur ce site de discussion. J'y ai rencontré la gamine. Elle avait Revolt Girl XX en pseudonyme. J'ai lancé la discussion. Elle prétendait avoir 22 ans. J'en ai 37, ça va. D'accord, je prétendais en avoir 29, mais c'est tout comme. Je pensais quand même qu'on parlait entre adultes. Je savais pas. Vous affirmez donc que vous ne saviez pas que Eléa Horny avait 12 ans? Mais non, je savais pas. Elle était dans la catégorie des plus de 18 ans. On y parle avec des majeurs. Comment je pouvais me douter? Inutile de cesser la voix. Vous ne ferez que faire crachoter l'enregistrement. Reprenez votre calme et poursuivez. Donc après s'être assez rapprochés, en discutant souvent, en se racontant nos vies l'un à l'autre... Toute la vie qu'elle vous a racontée était de l'invention. Je sais maintenant. Et j'en suis venu à lui proposer de se rencontrer. Et comme elle était elle aussi du comté de Cavan... Vous vous êtes donné rendez-vous dans le parc forestier de Killikin. Monsieur? Oui, c'était la forêt de Killikin. Des enfants. Eléa Horny était venue au rendez-vous avec une amie, par précaution. Vous les avez vues toutes les deux? J'ai fini par les trouver en allant plus profond dans la forêt. Elles m'ont vu et ont hurlé. Elles ne pensaient pas que je serais si vieux. Et elles, si... une enfant. Je ne savais pas quoi faire alors. Et elles se sont mises à courir. Je voyais deux petites filles s'enfoncer dans la forêt en hurlant. Et il commençait à faire soir. À faire nuit. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai... Excusez-moi, l'enregistrement a déconné. Il va falloir répéter pour la fiabilité du témoignage. Je l'ai suivi. Elle courait. Elle ne savait pas que je leur voulais du bien. Et comme il faisait de plus en plus gris, je voyais mal. Je croyais poursuivre deux fantômes quand j'ai fini par les attraper. Ils étaient trois. Tom et Steam, un autre de leurs camarades, agressé et disparu lui aussi. Je leur disais de venir, qu'on parte, que... C'était de ma faute, tout ça, alors je voulais en finir. Je voulais que tout redevienne dans l'ordre. Et je n'irai plus jamais sur les sites de rencontres. Je voulais juste les ramener, les sauver. Mais ils avaient peur. Et ils partaient toujours à l'opposé. Alors j'haussais la voix pour qu'ils m'entendent. Mais ils pensaient que j'allais les violer ou... J'étais mal à l'aise. Puis le vent qui hurlait à mes oreilles. Et la nuit... Les arbres, très mal à l'aise. Monsieur Crowley, je vais vous demander de ne pas vous égarer. Restez concentré. Égaré. La forêt. Les cris. Tuer. Monsieur Crowley. Vous comprenez rien à ce que je vous dis, c'est les arbres. Les arbres qui les ont tués. Les arbres. Mal qui ont... Calmez-vous. Si vous ne reprenez pas votre calme, votre témoignage ne sera pas valide et vous n'aurez aucune chance d'être innocenté. Du sang. À qui? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La forêt était très très noire, et il menaçait de pleuvoir avec cet orage qui grondait. Mais pourtant, cette clairière se détachait du reste du parc. Elle était plus éclairée, presque blanche. C'est pour ça qu'on y était attiré. Et au centre, il y avait cet arbre. Quel arbre? Lui, le violeur, le meurtrier. Il était gros avec des branches épaisses qui se développaient grandement tout autour. À cause de la lumière, son tronc paraissait gris et rouge. Quand les enfants ont débouché sur la clairière, ils ont voulu aller se cacher derrière et... Et quoi? L'arbre les a mangés, avec une bouche. Son tronc s'est ouvert, il les a mangés, il les a arrachés du sol pour les déchiqueter. Il y avait du sang partout. Il a mordu une fille, mais elle est retombée par terre. Il ne restait plus qu'une moitié d'elle. Il y avait ses os et son sang partout. L'arbre l'a rattrapé pour la finir. L'autre était déjà en bouillie. J'étais pétrifié. Je savais pas. Il les mangeait devant moi. Je comprenais pas. Je criais d'effroi. Il mâchait des morceaux d'enfant, des bras, des jambes. Le garçon avait son bras pris dans le tronc. L'arbre ouvrait la bouche pour sucer son os et attirer le reste du corps. Je pouvais le sauver. J'ai couru pour remonter le centre de la clairière et j'ai essayé de le tirer de là. Je l'ai attrapé par le bras et par les cheveux. Il criait tellement fort.
et l'arbre continuait de l'aspirer. Le tronc, l'écorce craquait et l'os du bras se broyait. Tout le sang me giclait à la figure. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne tirais plus sur rien. J'avais la main pleine de cheveux et dans l'autre un morceau de chemise. Et ma main était toute sale, toute poisseuse. La bouche s'était refermée. J'étais tout seul. Et du sang partout sur l'écorce et sur l'herbe. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fui. J'avais peur qu'il m'étouffe avec ses branches. Mais je ne retrouvais plus la sortie. Il faisait nuit noire. Le vent si fort, si bruyant. Et des arbres partout qui bruissaient. J'ai trouvé une tour en ruine et je m'y suis caché, dans le noir. Je m'y suis endormi. Le garde forestier m'a trouvé le lendemain. Et j'avais encore les cheveux et le morceau de chemise du garçon dans les mains. Et il a appelé la police.